beaucoup de gens qui ont étudié dans le quartier ou qui ont travaillé s'imaginent bien connaître le quartier Côte-des-Neiges, et c'est pas toujours le cas. Par exemple, l'Oratoire. C'est une des signatures de Montréal. Tout le monde veut dire, bien sûr, l'Oratoire, c'est sur le Mont-Royal, je connais. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent vraiment ce que l'Oratoire a à offrir. Puis ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est leur proposer deux trésors cachés de l'Oratoire, que sont le Chemin de Croix et le Carillon. Sur le flanc est du site de l'Oratoire, on retrouve un chemin de croix. C'est un magnifique sentier boisé qui comporte bien sûr 12 stations, en référence à la Passion du Christ, mais qui est aussi un lieu pour les promeneurs et les promeneuses, puisque c'est un cadre propice à la détente, à la méditation et à la découverte. Lorsqu'on parcourt ces allées, on peut découvrir une végétation luxuriante. Très tôt le matin, il y a des concerts d'oiseaux. Et tout au bout, on arrive à un endroit presque magique, le bassin de la Rédemption. Le bassin de la Rédemption est un magnifique ouvrage d'art déco moderne. C'est un endroit qui est un exemple parfait de symétrie dans un écrin de verdure où les formes sont presque irréel parce qu'on est dans un site qui ne se prête pas à ce type de découverte. Au retour du chemin de croix, en retraversant par le balcon de l'oratoire où nous sommes présentement, on aboutit au Carillon. Il était destiné à la Tour Eiffel de Paris. Et donc, l'oratoire se l'est approprié en 1954, lors des fêtes du 50e. Il y a deux récitals à tous les jours, midi et 15 heures. Et c'est vraiment une découverte pour tous ceux et celles qui sont des mélomanes, bien sûr, mais ceux aussi qui sont intéressés par ce Montréal insolite qu'on ne retrouve pas ailleurs, à ma connaissance. J'invite tous les Montréalais et les Montréalaises à venir découvrir le site de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal. Et c'est ici qu'on retrouve les plus beaux couchers de soleil à Montréal, sur l'esplanade. Vous pouvez, par temps clair, voir les basses Laurentides, les avions décoller et atterrir à Dorval, le lac des Deux-Montagnes, et tout ça dans un cadre féerique en plein cœur de la ville. On vous y attend.